Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, you know, human, any. The rights that humans have. That's a very large debate. Cioè, tu le puoi preguntare a 20 persone e ti vanno a dare 20 differenti opinioni. Non saprei, è una domanda complicatissima. Scusa. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Les droits de l'homme sont les droits que vous avez du simple fait d'être humain. C'est la façon dont vous pouvez instinctivement vous attendre à être traité et les droits que vous méritez en tant que personne, tels que le droit de vivre librement, de donner votre opinion et d'être traité en tant qu'égal. Il existe toutes sortes de droits. La plupart s'appliquent à un certain groupe. Mais seuls les droits de l'homme s'appliquent absolument à tous et partout. C'est-à-dire aux enfants, personnes âgées, pauvres, basketteurs, éboueurs, rappeurs, enseignants, africains, indiens, albanais, chrétiens, musulmans, juifs, athées, votre mère, votre père et votre voisin de palier, et vous-même. Tous ont les mêmes droits. En d'autres mots, ils sont universels. Mais la question est de savoir, que sont-ils ? Name human, the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? D'après les Nations Unies, on en compte 30. Ils sont le plus souvent présentés en bloc sous la dénomination les droits de l'homme. Ils figurent tous dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle est le document international de référence sur le sujet. Mais cette déclaration s'est faite beaucoup attendre. À l'origine, les droits de l'homme n'existaient pas. Au sein d'un bon groupe, vous étiez en sécurité. Sans un tel groupe, vous ne l'étiez pas. Mais c'est alors qu'un gars du nom de Cyrus le Grand innova. Après avoir conquis la ville de Babylone, il déclara quelque chose de totalement révolutionnaire, que tous les esclaves étaient libres de rentrer chez eux. Il a aussi annoncé que les gens pouvaient être libres de choisir leur propre religion, quel que soit le milieu d'où ils venaient. Ces paroles furent enregistrées sur des tablettes en argile, connues sous le nom de cylindre de Cyrus. C'est ainsi que naquirent les droits de l'homme. L'idée s'est vite propagée, en Grèce, en Inde et finalement à Rome. Ils avaient remarqué que les gens suivaient instinctivement certaines lois. Ils les ont appelées les lois naturelles. Cependant, elles n'étaient pas toujours respectées par ceux qui étaient au pouvoir. Ce n'est que 1000 ans plus tard, en Angleterre, qu'ils ont finalement amené le roi à accepter que ses droits ne pouvaient pas être supprimés, pas même par un roi. Les droits des gens finirent par être reconnus et respectés par ceux qui étaient au pouvoir. En fait, c'est beaucoup dire. Des Anglais, au caractère plutôt radical, ont dû déclarer leur indépendance avant que le roi comprenne pour de bon que tous les hommes étaient nés égaux. Non pas qu'il aimait l'idée, mais il ne pouvait pas les arrêter, et ainsi naquit l'Amérique. Les Français leur ont emboîté le pas avec leur propre révolution, leurs propres droits. La liste était plus longue et ils insistèrent sur le fait que ces droits n'étaient pas juste une invention, mais qu'ils étaient naturels. Le concept romain de loi naturelle était devenu les droits naturels. Malheureusement, tout le monde n'était pas si enthousiaste. En France, un général du nom de Napoléon a renversé la nouvelle démocratie française. Il se couronna lui-même empereur du monde et il a failli réussir. Mais la coalition des pays européens a fini par prendre le dessus. Puis les droits de l'homme sont devenus soudain une priorité. Des accords internationaux ont été rédigés pour garantir beaucoup de droits en Europe. Mais ça ne se limitait qu'à l'Europe. Ces droits ne semblaient pas légitimes dans d'autres parties du monde qui étaient envahies, conquises et brûlées pour développer les vastes empires de l'Europe. C'est alors qu'un jeune homme de loi de l'Inde décida de protester. Il s'appelait Mahatma Gandhi. Et malgré la violence, il insista pour que tous les peuples de la Terre aient des droits, et pas seulement en Europe. Même les Européens ont fini par être d'accord. Mais ça n'allait pas être si facile que cela. Deux guerres mondiales ont éclaté. Hitler a exterminé la moitié de la population juive dans les camps nazis d'épouvante et de mort. En tout, 90 millions de gens sont morts. Les droits de l'homme n'avaient jamais tant frôlé l'extinction.
et jamais le monde n'avait eu autant besoin d'un revirement. C'est ainsi que les nations de la Terre ont formé une alliance, les Nations Unies. Leur but premier était de réaffirmer la confiance dans les droits fondamentaux des hommes, dans la dignité et dans la valeur de la personne humaine. Mais qu'étaient ces droits de l'homme? Les proclamations de Cyrus? Les lois naturelles de Rome? Les déclarations de la France? Chacun semblait avoir une idée légèrement différente de ce que les droits de l'homme devraient être. Mais sous la supervision d'Eleanor Roosevelt, tous se sont enfin mis d'accord sur un ensemble de droits pour tous. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Le concept des droits naturels en France s'est transformé en droits de l'homme. Donc pour résumer, au début, seuls quelques privilégiés avaient des droits. Puis un jour, un gars s'est dit que d'autres devraient en avoir aussi, ce qui était génial. Sauf que tout le monde n'était pas d'accord. Et c'est au prix de luttes et de guerres au cours de plusieurs millénaires que chacun finit par accepter que les droits de l'homme devraient s'appliquer à tous. Depuis lors, les gens ont vécu des jours heureux. Sauf qu'il y a un léger problème. Si les gens ont le droit de se nourrir et d'avoir un abri, comment se fait-il que 16 000 enfants meurent de faim chaque jour? Un toutes les 5 secondes. Si les gens ont droit à la liberté d'expression, comment se fait-il que beaucoup soient en prison à cause de leurs opinions? Si les gens ont droit à l'éducation, comment se fait-il que plus d'un milliard d'adultes ne sachent pas lire? Si l'esclavage a été effectivement aboli, comment se fait-il qu'il existe encore 27 millions d'esclaves aujourd'hui? Plus du double qu'en 1800. Le fait est que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'avait pas pouvoir de loi lorsqu'elle a été signée. C'était facultatif. Et en dépit de bon nombre de documents, de conventions, de traités et de lois, ce n'est guère plus que des mots sur une page. La question est de savoir, qui va faire de ces mots une réalité? I have a dream today. Quand Martin Luther King protestait pour l'égalité des races, il le faisait pour des droits garantis par les Nations Unies depuis 2 décennies. Et pourtant, il a dû protester. Quand Nelson Mandela défendait la justice sociale dans les années 90, son pays avait déjà accepté 40 ans plus tôt d'abolir la discrimination raciale. Et pourtant, il a dû combattre. Ceux qui luttent de nos jours contre la torture, la pauvreté, la discrimination ne sont pas des géants ou des super-héros. Ce sont des gens. Enfants, mères, pères, enseignants. Des individus libres de penser qui refusent de se taire. Qui se rendent compte que les droits de l'homme ne sont pas une leçon d'histoire, ni des mots sur une page, ni des discours, ni des campagnes publicitaires ou commerciales. Ils sont les choix que vous faites chaque jour en tant qu'être humain. Ils sont la part de responsabilité que nous partageons tous, se respecter mutuellement, s'entraider et protéger ceux qui sont dans le besoin. Comme Eleanor Roosevelt l'a dit, où est-ce que les droits universels de l'homme commencent ? Dans des endroits tout près de chez vous. Si près et si petits qu'on ne peut même pas les voir sur une carte. Et pourtant, ces endroits représentent le monde d'un individu, le quartier dans lequel il vit, son école ou son université, l'usine, la ferme ou le bureau. Ce sont des endroits où chaque homme, femme ou enfant aspire à une justice équitable, des chances équitables, une dignité équitable sans discrimination. C'est dans la mesure où ces droits seront vrais près de chez soi qu'ils pourront l'être partout ailleurs.